Bienvenue à tous et à toutes dans ce lieu qui est votre maison, dans ce moment qui est votre moment, pris à part dans les agitations de la vie quotidienne comme une halte, comme une oasis dans nos déserts où nous sommes assoiffés d'une parole qui nous vient d'un ailleurs. Oui, au nom de Jésus-Christ, qui nous accepte inconditionnellement, sentez-vous tous et toutes accueillis, tristes ou joyeux, malades ou en bonne santé, satisfaits ou en recherche, que la foi, l'espérance et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu qui est avec nous ici et maintenant et qui sera toujours avec nous. Oui, je vous le déclare, ici et maintenant, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Et nous ouvrons ce culte avec le 237. Venez le célébrer. Je vous invite à vous lever. Seigneur, pour tout ce que cette journée contient de promesses, pour toutes les rencontres qu'elle permettra, pour les paroles que nous pourrons échanger. Merci Seigneur pour les moments de sincérité, pour les partages que nous n'imaginons pas encore. Merci Seigneur pour celui qui se remettra debout et qui retrouvera de la dignité à ses propres yeux grâce à des paroles que tu auras prononcées pour lui ou pour elle. Merci Seigneur pour quiconque se laissera habiter par ton souffle et dont la vie en sera changée, parce qu'il sera témoin de la vie que tu nous donnes. Merci pour tous ceux qui rayonnent de cette vie, parce que tu les as aimés le premier. Nous poursuivons notre louange avec le psaume 47, frappé dans vos mains. Je vous invite à vous lever et à le chanter joyeusement. Nous
invite à la prière avec un texte de saint Augustin. Je t'ai cherché, ô mon Dieu, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as rendu capable. J'ai désiré voir avec les yeux de l'intelligence ce que j'avais d'abord cru. J'ai longuement discuté et beaucoup travaillé. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Fais qu'aucune fatigue ne m'empêche de te chercher. Ô toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver toujours davantage. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Affermis l'une, guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu as ouvert la porte, laisse-moi entrer. Là où tu l'as fermée, je frappe, ouvre-moi. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je t'aime. Fais grandir ces trois dons en moi, en attendant que tu m'aies réformé tout entier. Amen. Et je vous invite à chanter le 734, Marche en ma présence. Vous pouvez rester à vos places, car c'est un chant un peu recueilli. 734. Nous reconnaissons notre péché et notre besoin de Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'inquiétude qui habite notre cœur et le souci qui assombrit nos jours. Notre confiance en toi est bien fragile. Pardon de ne pas trouver le repos en ta sûre fidélité. Nous te demandons pardon pour nos abandons et nos découragements. Notre persévérance vacille si rapidement et nous renonçons souvent à l'espérance qui vivifie, à ton attente qui fortifie. Seigneur, nous te demandons pardon d'oublier si facilement combien nous te sommes redevables. Fermés à ta grâce, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Pardon de ne pas aimer comme nous avons été aimés. Amen. Le 609, quand le soir descend. Réveille-moi.
Pour accueillir le pardon de Dieu, je vous invite à vous lever. Le Seigneur Dieu est tendresse, le Seigneur Dieu est bonté. Il est patient, il ne fait pas de reproches, il ne garde pas rancune. Il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous chantons notre reconnaissance. Le 160, Notre Dieu est délivrance. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Nous chantons le 601, Trouver dans ma vie ta présence. Avant de lire les Écritures, nous prions pour qu'elles deviennent pour nous aujourd'hui paroles de vie.
Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, éveille nos cœurs à ta parole. Quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, quelle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Nous lisons tout d'abord dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, les versets 11 à 18. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de tromperie, ni de fausseté, chacun envers son compatriote. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas d'égard particulier à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. À présent, l'évangile de ce jour, dans Jean au chapitre 13, les versets 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre. » Mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Ta parole est vérité. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le 566 « Je crois en toi ». Je vous invite à vous lever. «
Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Ô Seigneur, toi le maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. J'espère en toi, mon Sauveur ressuscité, et mon espoir ne sera jamais déçu. Tu as promis Je vous donne un commandement nouveau. Est-il vraiment nouveau, le commandement d'aimer ? Aimer son prochain comme soi-même, c'était déjà dans l'Ancien Testament, nous l'avons lu. Ne pas faire de tort à l'autre, c'est le socle du vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qui est vraiment nouveau ici ? On pourrait dire tout d'abord que l'exigence d'amour doit toujours être renouvelée tellement elle peut s'avérer parfois contre nature. Aimer son prochain comme soi-même, ce commandement est important car il permet de freiner nos élans d'agressivité envers certaines personnes qui peuvent aller jusqu'à la volonté de les voir disparaître. L'exigence d'aimer malgré tout. Malgré tous les éléments négatifs que nous portons, la jalousie, le ressentiment, et aussi malgré le profil peu aimable de beaucoup de personnes que nous côtoyons et que nous ne voulons pas aimer. Des voisins bruyants, des collègues agressifs, des parents peu aimants. Aime ton prochain comme si c'était toi-même. Mets-toi à sa place. Si tu es dur avec lui, indifférent, brutal, imagine que quelqu'un se comporte comme cela avec toi et cela peut te faire changer d'attitude. L'autre vibre et souffre comme toi. Et l'homme recule à attenter à sa propre image chez l'autre. En faisant jouer l'empathie, en reconnaissant que l'autre, comme moi-même, a besoin d'attention, de respect, ce commandement permet la fraternité. Aime ton prochain comme toi-même, cela veut aussi dire s'aimer soi-même, comme on aime son prochain, ne pas complètement s'oublier dans le service des autres. Se vouloir du bien comme l'on veut du bien aux autres. S'accepter et s'aimer comme Dieu nous aime. Souvent, nous dit André Gounel, nous éprouvons de la déception ou de la rancœur envers nous-mêmes parce que nous avons le sentiment de n'être pas à la hauteur de nos ambitions, de nos idéaux et nous acceptons mal nos limites, nos défaillances, nos échecs, nos torts. Notre cœur nous condamne. Dit la première épître de Jean, en ajoutant immédiatement « Mais Dieu est plus grand que notre cœur ». Lorsque notre cœur nous condamne, Dieu nous pardonne. Quand nous nous détestons, Dieu nous aime. Et quand nous détestons l'autre, Dieu l'aime. Et cela peut nous pousser à l'aimer aussi comme Dieu le regarde. Alors revenons à l'amour du prochain. L'amour du prochain par empathie est suffisant ? Non,
Il est nécessaire, mais pas suffisant. D'abord, parce que l'empathie n'empêche pas le risque d'un certain repli sur soi-même ou sur ceux et celles qui nous ressemblent. Nous avons parfois tendance à choisir notre prochain à aimer, en quelque sorte, selon la sympathie qu'il nous inspire. Il y a aussi le risque, dans la symétrie du commandement « aime ton prochain comme toi-même », d'une certaine réciprocité mécanique et comptable que l'on trouve parfois dans les invitations ou les cadeaux. Cette personne m'a invité, donc je dois l'inviter en retour, même si je n'en ai pas très envie. Cette réciprocité, cette symétrie peut aussi conduire à une forme de condescendance, une attente d'un retour mérité. Parce que je t'ai fait du bien, tu m'es redevable, tu dois m'aider, tu as une dette envers moi. Alors, ce que nous dit l'Évangile de ce jour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est que l'amour doit s'alimenter à une autre source que celle des communautés humaines, parce que le risque du narcissisme et de l'intérêt est toujours présent dans l'amour humain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le « comme » dont il est question ici n'a pas seulement valeur de modèle, mais plutôt d'origine, de justification. Parce que je vous ai aimé, vous pouvez aimer à votre tour. Et là, je m'appuierai sur un commentaire de Jean-Daniel Causse. L'amour du Christ s'écoule gratuitement, en pure perte. Il n'attend pas de retour. Il est sans mesure, il est démesuré. Lorsque le Samaritain sauve le blessé, il ne lui laisse pas le moyen de le retrouver, de le remercier, de le rembourser. Qui a été le prochain de celui qui était à terre ? Demande Jésus. Celui qui l'a sauvé. Le blessé n'a rien à faire, seulement à garder en mémoire le don, source de nouvelles potentialités pour la pensée et l'action. Aime ton prochain parce que tu as été sauvé, et non pas parce que tu veux sauver ton prochain, ce qui est très prétentieux. Cet amour-là accepte avec lucidité la condition humaine, avec ses failles et ses brèches. Aimer l'autre, même quand il n'est pas aimable, c'est bougrement compliqué. Et cela n'est possible parce que nous avons été nous-mêmes aimés, alors que nous ne sommes pas particulièrement aimables. La grâce d'avoir été aimé, non pas en raison de sa justice, mais parce que nous avons été pécheurs. Aimer l'autre parce que nous savons que sans l'amour que nous avons reçu, nous aurions été perdus. Le véritable amour est donc délivré du narcissisme. C'est notre faille qui nous rend capables d'aimer. Cet amour-là a conscience des limites humaines, mais en s'ancrant à la source inépuisable de l'amour de Dieu, il acquiert une dimension d'infini. Comme le dit Luther, le chrétien vit en Christ par la foi et en son prochain par l'amour. Par la foi, il est enlevé au-dessus de lui-même en Dieu. Par l'amour et le service, il est abaissé en dessous de lui-même en son prochain. Il demeure cependant toujours en Dieu et en son amour. Aime donc ton prochain en répandant sur lui ou elle la bienveillance que tu as toi-même reçue. Pas en la considérant comme une dette à rembourser, mais en demeurant en elle, en la laissant se diffuser à travers nous. Jésus n'aime pas pour être aimé des disciples. L'amour nous porte vers l'avant, jamais vers l'arrière.
Et je citerai à nouveau Jean-Daniel Causs, le sujet ne tire pas de lui-même la possibilité de parler et d'agir en son propre nom, mais de l'appel une fois entendu et dont il a fait la demeure de sa vie. Il faut vivre d'un don qui ne fait pas retour sur le donateur. Ce don est une puissance qui traverse l'homme pour aller plus loin que lui en direction d'un autre. » Fin de citation. L'amour n'est donc pas une question de morale, ou pas seulement. C'est avant tout pour les chrétiens une question de révélation. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La gloire de Dieu est présente dans l'Église lorsque la bienveillance, cet amour du prochain, est visible. L'amour du prochain est la marque de la présence de Dieu. Si cet amour est là, Dieu est là. Si cet amour est absent, Dieu est absent. C'est aussi simple que ça, nous dit Bernard Mourou. Donc le texte de ce jour nous invite à nous tourner vers les autres avec bienveillance. Les autres dans l'Église, mais aussi les autres dans la cité. Et cet amour que nous demande Dieu peut nous sembler impossible. Mais il s'agit avant tout d'un acte de confiance de Dieu en l'homme, malgré son incapacité à aimer. Et le moment que nous avons entendu de l'évangile de Jean est un moment de grande tension, un moment où l'amour n'est pas très présent. Nous savons que Judas va trahir, nous savons que Pierre ne va rien donner du tout, il va aussi renier, il va aussi trahir. Et bien même dans cette situation où l'amour semble avoir déserté, Jésus a confiance dans la possibilité d'amour de ses disciples. Pas tout de suite, mais plus tard. Leur situation n'est pas sans espérance, puisqu'il est affirmé à Pierre par Jésus que là où va Jésus, c'est-à-dire au bout de l'amour et du don, Pierre ne va pas le suivre tout de suite, mais un jour, lui aussi, il ira. Seigneur, révèle ta force d'amour et aide-nous à la révéler au monde. Amen. Je vous invite à chanter « Torrent d'amour et de grâce ». Rappelez-moi juste le numéro. 419. 419. Je vous invite à vous lever. Oh.
debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous offre par grâce le don de devenir enfants de Dieu. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie qui dure toujours. Amen. Nous chantons le 755, chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, pardonne-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Voici venu le temps des annonces. Alors je laisse la primeur à Loulou pour l'annonce du jour. Essayons de combler chez les autres tout ce qui manque en matière humaine pour à la fois lutter contre la misère sociale, leur permettre d'atténuer la souffrance qu'il y a entre eux, puis posons des actes. La solidarité et l'amitié d'amour, c'est poser une pierre pour que d'autres reposent des pierres, que ce soit à l'infini comme ça. Merci Loulou. Dans nos annonces locales, je voudrais parler de trois moments. Cet après-midi à 15h, à la paroisse Saint-Paul, il y a la projection d'extraits d'un film qui s'appelle « Nous tous » et qui est diffusé sur un grand nombre de sites en France au même moment, pour un échange entre les groupes qui visionneront ce film, qui est consacré, alors je fais appel à votre mémoire, qui est de la semaine dernière, puisque cette annonce a été faite, et qui est consacrée donc à la question du vivre ensemble, je dirais. Voilà, donc vous êtes invités à partager à la paroisse catholique Saint-Paul à 15h, c'est bien ça? Oui, c'est le groupe... C'est le groupe islamo-chrétien qui est à l'origine de cette invitation. Donc, bienvenue à tous ceux qui voudront y participer. J'annonce aussi le samedi 25 juin,
Il y aura une journée ici qui sera une foire à la brocante, animée par Alizé, qui propose à ceux qui le souhaitent et aux familles qu'elles accompagnent de proposer des stands. Alors a priori la salle de culte sera pas forcément utilisée, s'il fait beau ça sera aussi dans le jardin, voilà, et dans certaines pièces annexes. Donc du coup voilà, si vous avez aussi des objets à vendre ou enfin voilà, c'est plutôt des modestes sommes, donc ce sera effectivement le samedi 25 juin en journée. Et j'annonce dès maintenant. Oui, je voudrais compléter que c'est en faveur d'un fonds pour l'Ukraine. Tu as raison. C'est en faveur d'un fonds pour l'Ukraine et c'est à l'initiative d'Alizé. Et le samedi 2 juillet, à midi, à peu près au temps du repas, nous sommes tous conviés à un temps fraternel de repas partagé avec tous ceux qui sont occupants dans ce lieu, c'est-à-dire les Coréens, les gens qui sont accompagnés par Alizé. C'est aussi la cinquième saison, qui est l'association qui occupe les locaux ici chez nous. Voilà. Donc on aura un temps festif de clôture de l'année, le samedi 2 juillet à midi. Donc retenez-le dès maintenant dans vos agendas. Et je voudrais terminer en indiquant que la collecte de sortie sera une collecte pour l'aumônerie des prisons. Et à ce propos, je voudrais vous lire un texte de Evan Oquet, qui coordonne, pasteur, qui coordonne l'aumônerie des prisons. Il y a dans les prisons, braves paroissiens, des hommes qui, comme vous, chaque matin se lèvent en remerciant leur Créateur, et chaque soir se couchent en lui confiant leurs soucis, leurs proches, leurs ennemis, leurs ennuis. Il y a dans les prisons des hommes rongés par la culpabilité qui découvrent le pardon pour le pauvre pécheur qu'ils sont et qui, comme nous, braves paroissiens, sont accueillis par grâce. Nous, les aumôniers, ne pouvons que témoigner de cette grâce qui, un jour, nous a touchés, nous a ressuscités, nous a mis debout. Cette grâce inconditionnelle que nous avons accueillie, que nous partageons, sans laquelle nous ne sommes rien. Il y a dans les prisons des hommes qui souffrent, qui se repentent, qui implorent pardon. Des hommes qui ont blessé, trahi, meurtri. Des hommes qui sont blessés, trahis, meurtris. Des hommes qui dépendent de l'accueil de Dieu, qui se fient à lui comme nous, braves paroissiens. Il y a dans les prisons des salauds. Il y a dans les prisons des pervers. Il y a dans les prisons des méchants, comme dehors aussi. Et il y a des solidarités fabuleuses, de l'attention aux vulnérables, aux déstabilisés, à l'éprouvé, des partages loyaux, une entraide active, comme dehors aussi. Ne les jugez pas trop vite, ceux qui sont passés par la prison. Ils ont payé leur infraction, leur crime, leur égarement, leur dépendance aux stupéfiants ou à l'alcool. Tout n'est pas réparable, certes, mais si nous voulons guérir ensemble, sortir de la spirale de mort, il faut laisser circuler la grâce d'abord. Ne rajoutez pas une peine à la peine, faites circuler la grâce dont vous bénéficiez aussi. Accueillez-les parmi vous, braves paroissiens, comme des pécheurs pardonnés, comme vous. Ainsi, nous rendons grâce à Dieu ensemble. À lui soit la gloire. Amen. Merci.
Je vous invite à encore prier notre Dieu. Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, ne permets pas que nous nous séparions sans que la bonté de ta parole nous accompagne. Oui, qu'elle accompagne chacun dans les expériences, les préoccupations, les soucis et les espoirs qui sont les siens. Agis en notre cœur, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Conserve la lumière qui menace si fréquemment de s'éteindre à nos yeux. Seigneur, nous te présentons le monde, là où le mal et la souffrance abondent. Que ta grâce surabonde. Donne la sagesse aux puissants de la terre que tu as chargés de veiller sur le droit et la paix. Donne le courage et l'impartialité aux journalistes. L'amour et la persévérance aux parents, aux enseignants, aux éducateurs. Crée des cœurs fraternels et des mains ouvertes pour les pauvres et les isolés. Soulage les malades, fais-leur prendre patience. Donne aux mourants de saisir l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons grâce de pouvoir exposer devant toi tous ces besoins, devant toi qui sais mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut. Et ce qui concourt au bien de ta faible Église et de ce pauvre monde troublé. Oui, tu peux nous venir en aide au-delà de ce que nous demandons et même imaginons. Nous sommes dans ta main, Seigneur. C'est donc avec confiance que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous achevons notre prière en regardant au seul Sauveur. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui, je crois.
Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain. Et bien qu'angoissée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve. Et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle me soit cachée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui, je crois. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit, Dieu vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et nous chantons la paix du Seigneur, c'est ça, le 882. Dimanche. Merci.